je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Je vous préviens, les douches sont sur le palier, il n'y a pas de télé. C'est vrai. Merci. Oui? Avec des clients, on se fait un petit poker. Ça vous dit? Non, finalement, je crois que je vais passer. Par contre, en maths, ça rame. Faut que je reprends. Hein. Ok. Mais j'aimerais qu'on arrête de revenir sur le passé. Je ne veux pas vous brusquer, mais là, vous êtes en stage de recherche d'emploi. Et je ne vois pas sous vos visages le petit signe minimum requis dans votre situation. Le sourire? Voilà. Waouh! Le sourire. Voilà des gens qui ont l'air bien dans leur basket. C'est déjà beaucoup mieux, hein? Jacqueline, les brochures. Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, vieux salopard? Aller de cet enfer à un autre. De toute façon, on s'en sortira pas. Ni toi, ni moi. T'as terminé ton sermon, là? Ah non. Faut encore que je te bénisse. Lâche! 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 Doucement, hein. Vieux débris. T'as pensé à ce que tu feras quand tu m'auras buté? Oui. Je tirerai encore deux ou trois balles, pour être sûr. Flingue-moi. Tire, bordel. T'enlèveras pas le contractat sur la gueule. Ta gueule! Débarque. Doucement, hein. Doucement, baisse les bras. À genoux. Je le prends, je le prends. Ok, super, dans 20 minutes, hein, tout de suite. T'as pas trop souffert? Non, c'est rien. Procédons. Un écureuil, certainement, certainement. Bonsoir, monsieur. Je vous attendais. Bonsoir. Vous êtes seul? Oui. C'est très joli. C'est très grand aussi, hein. Combien vous demandez pour le prendre maintenant? J'avais pensé... 10 000, ça va. Ah, 10 000, c'est très bien. Je peux avoir un petit à-compte, hein? Plus tard. Bon. C'est surprenant. Moi, je me souviens du caniche de ma tante. Il foutait des poils jusque dans son lit. Oh, même des fois jusque dans son bain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais j'ai mal à mon doigt, mais il est fou! Mais j'ai mal à mon doigt! Mais vous êtes taré ou quoi? Mais ferme-la avec ton doigt! Mais vous m'avez fait mal à le doigt, monsieur! Vous m'avez fait mal à le doigt! Mais on s'en fout de ton doigt, j'en prends pour 20 ans! C'est cet enfoiré de clown! Je l'ai déglingué! Monsieur Tavares. Il y a des rencontres dont on se souvient toute sa vie. Bon, la réunion peut commencer. Angelica. Monsieur Tavares dirige un groupe de financiers qui a pour objectif de développer des investissements au cœur des grandes villes américaines et... Pourquoi pas le tiers-monde? On veut investir dans le développement technologique des villes. Le développement durable. On parle d'investissements privés de plusieurs milliards, ma belle enfant. Quel gouvernement va refuser ça? Nous, on fait quoi?
Monsieur Tavares vous a choisi en tenant compte de la qualité de vos services. Vous particulièrement. Moi. Vous avez travaillé avec Michel Gendron. Ce gars-là a été reconnu internationalement pour son expertise. Michel. C'est un dossier de 150 milliards de dollars. C'est la moitié de nos actifs. Avez-vous mis les conditions sur papier? Oui, on est en train de le faire. J'ai une question. Allez-y. Comment on va impliquer les gouvernements? On va directement à la caisse de retraite. Mais les ministres des Finances? Pas besoin de monter jusqu'à lui. On va faire une transaction majeure qui va créer un boom économique dans votre ville sans impliquer directement les hommes politiques. Voulez-vous recréer ce qui s'est passé en 95? Le Canada, c'est pas le Liberia. En 2001, quand vous avez voulu signer des accords avec Imata Kabura aux îles Marshall, vous les avez, les ententes avec les Américains. Ah, Monsieur Tavares, qu'est-ce que vous voulez? Faire de l'argent ou mettre des politiciens dans votre poche? On va faire comme vous dites. De merde, mais t'en as pas besoin de mes 50 balles. Penses-tu qu'il y en a pour 100 000? Claude, c'est du bonsaïon. Du quoi? Ben oui, du bonsaïon, bonsaï, parce que ce sont des plantes plus petites, et zaïon parce que c'est le paradis des rastas. La légende dit que si tu fumes ça, tu danses sur ta tête comme un con toute la nuit, et que t'entends des symphonies de trompettes. Hein? Ouais! Des trompettes. Ben ouais, du bonsaïon, mon Dieu, ça c'est de la plante. Tu sais que ça vaut du pognon, ça, mon gars. Même les motards sont pas capables de mettre la main là-dessus. Mais penses-tu qu'il y en a pour 100 000? Bah, je sais pas, t'en as combien? Je sais pas, 200, 250? Je te dirais, à l'unité, de 2000 balles. 2000? Bah, ça fait 400 000 balles, mon vieux, t'es riche! Allez, je t'en prends un bout. De retour à votre magazine littéraire. Nous accueillons maintenant l'auteur du guide du gros bon sens 2010. Puisque, mis à part quelques truismes ou autres itérations, il s'agit bien d'une quête. Non, il n'y a pas de quête... How